Xavi dit que Ousmane Dembélé a le potentiel pour devenir le meilleur joueur à son poste. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais rebondir sur le propos de Xavi par rapport à Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Xavi dit que Ousmane Dembélé a le potentiel pour devenir le meilleur joueur à son poste. Moi, je pense même que Ousmane Dembélé, lorsque il est à son meilleur potentiel, c'est le meilleur joueur à son poste. Je répète, lorsque Ousmane Dembélé est en plein potentiel de ses moyens, c'est le meilleur joueur actuellement à son poste. Pourquoi je le dis? Parce que Ousmane Dembélé, c'est un mec qui ne prend pas son hygiène de vie au sérieux. Il est constamment blessé, il joue un match sur deux en moyenne. Et du coup, donc, lorsque tu ne prends pas conscience de ton hygiène de vie, lorsque tu n'as pas une bonne hygiène de vie, c'est très compliqué de performer sur le long terme. Ce qui tue Ousmane Dembélé, c'est parce qu'il n'est pas assez professionnel dans son hygiène de vie. Il n'est pas assez professionnel. Sinon, si ce mec se concentrait uniquement sur le foot, pour moi, ça devait faire longtemps qu'il est le meilleur à son poste. Parce que en termes de talent intrinsèque, après Vinicius, moi je vois Ousmane Dembélé. Pour moi, je le vois même au-dessus de Kylian Mbappé en termes de talent intrinsèque, en termes de talent pur, dribbleur, passeur. Il faut juste qu'il finisse sa finition. Il n'est pas assez clinique devant les buts. Pour moi, c'est son seul défaut. Si on enlève les blessures, il n'est pas assez clinique dans les buts. Sinon, le reste, c'est parfait. Donc, Ousmane Dembélé, lorsqu'il est à 100%, pour moi, c'est le meilleur joueur à son poste. Sans blessure, etc. C'est le meilleur joueur à son poste. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Xavi ou pas? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.